Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode Europa Universalis 4 avec mon camarade Serikaï. Salut tout le monde. Allez, on enlève la pause, on reprend la partie. Bon, mes missionnaires, ça missionnarise, l'annexion, ça annexionnise. Et comme un con, moi, chez l'autre abruti, je fais une claim. L'ottoman, hasard, je fais une claim sur quoi? Sur sa capitale. Donc comme c'est sa capitale, je peux pas la racketter. Non, mais paye tes provinces toutes pourries, quoi. Gek. Sur Alimouli. La France est de Ah ses mais c'est vrai que je peux faire guerres. ça, je vais demander à des pays de transférer leur trade power. Hey. Hey mon petit machin qui sert à rien Ah, là. j'ai fait une Envoie la conversion. thune. Argent, argent. Donc là, dette. Bon de merde. Et il a ajouté le fils au fric en plus. Alors, voyons, 25. Ouais, ça aussi, le Spy Network, c'est casse-couille, putain. Il faut avoir été diplomate pour ça, Jack. Bon, après, c'est vrai que des fois, on a des diplomates, on sait pas quoi en foutre. Bon, on va recruter des troufions en masse. Oups. Golden Orb, Fabricate Claim, Cake. Bon, ok, il faut qu'on discute. Traite noire. Est-ce que je peux te traite noiriser? Ma loi Ah t'intervient à putain, la il guerre là. pousse. Mais pourquoi le monde il est méchant? Tu veux quoi là la... En tout cas, mes rebelles, ils ont plus envie de se rebeller. Je suis bénéficiaire, mais pas beaucoup. Allez, la Renaissance, là, qui arrive à Moscou, plus vite, plus vite, plus vite. Oh, Novgorod, il y a Novgorod. Arzef. Adjacent de province à la Renaissance. La Novgorod a fait popper la Renaissance et ça fait... 51. Le modifier, c'est quoi? Part of the state, peace, positive stability. Ah, c'est parce que... Oh, c'est trop bien, ça! Novgorod l'a eu. Donc, Rzev, qui est juste en dessous, fait partie du state. Donc, comme il fait partie du state, il en bénéficie. Et vu qu'après, je vais le choper à Rzev, je vais le rediffuser comme un porc à Kaluga, Moscou. Brrr. Bien. Bien, bien. Et après, allez, faut envoyer chez Timouride! Ouais, chez Timouride, les gars, ils en ont besoin. Ah ouais, je confirme, ils en ont besoin.
Et moi je vais faire un pute. Et putain, faut que ça arrive chez moi. 251 et 10. Moi, je vais pas claquer pour faire monter ça. Ah. Que j'éclaire la guerre, ce connard. Eh, j'éclaire la guerre, là, le trou du culop. Quel? Bah, Delhi. Auquel le trou du cul? Delhi. Pas ça compte, mais les trous du cul, hein, tu sais, je veux dire. Corazon, c'est quoi la carte à côté de Corazon? Donc tu sais, Delhi. Hindoustan. Ah merde, mais t'es en guerre, je peux pas te le demander, c'est Putain, chiant. j'aurais dû attendre. Ouais, je le... Ouais, mais c'est pas grave. Bon, prochaine idée que je prends, par contre, je veux dire, ce sera idée religieuse. Ouais, mais moi c'est. Là je prends les idées. Ouais, j'ai pris les idées de qualité, je crois. Quantité, enfin dans qualité, je crois. Et ouais, je prendrai les. Il faut toujours séparer ce coup. L'enculé, mais c'est à quoi, putain, on va recruter en masse, on va voir. Voilà, on va prendre deux armées de 14 000 hommes. On va se préparer pour aller mettre sur la gueule de Novgorod après, parce qu'il me casse les couilles à soutenir Odoïev là. Ah oui, faut le faire payer, hein. Ah mais tu m'étonnes. Ah ouais, tu cherches la merde, ça bouge pas. T'as des baskets qui rentrent pas, mais t'as des baskets. Et je vais lui expliquer la technique militaire qu'on appelle le PMG. Le PMG. PMG qui veut dire pied main dans la gueule. Ah. C'est une technique assez diplomatique. Effectivement. Vu le nom. New Day, Early Army Tradition plus 1. Bam! Ça, c'est plutôt pas mal. Non, c'est quoi ce délire là? Les mecs ont stack wipe! Les mecs ont stack wipe une armée de 20 000 hommes, n'importe quoi! Voilà, ça va être dans pas le mission. Et là, on va aller plus vite maintenant. Il fait stack WP 20 000 hommes. Oui! Oh Ça va, j'apprécie, j'ai moins putain! 47, c'est aussi Ah, fait les chier ces bouffes, ouais. conneries là. Ça. Ils pourraient pas venir se taper les rebelles là, les trous du cul là, je veux dire mes ennemis là, ils pourraient pas foncer sur les rebelles. Y a des institutions pour ce temps. Et les institutions, elles ont apparu chez toi à la Renaissance? What? Non, c'est une blague. Hein? Bah ça traverse l'Ottoman, ça rush l'Ottoman, les institutions, la Renaissance. En train de rush en plein milieu, ça va par Trébizond, Derzouzoum, ça va passer par la Golden Horde, en fait partout sauf chez toi au début. Les mecs me pètent la gueule en boucle, c'est horrible! Je suis plus nombreux, ils me défoncent. Je peux rien faire, putain, c'est horrible. Je peux quand même pas le voir relâcher les territoires, ça me fait chier ça. Ah bah si.
Ashkoran. Comment tu Donc, veux faire contre Bashkoratan. ça? Putain, là, c'est le truc. L'événement que t'es heureux, c'est le Bashkoratan, il gagne du développement. Tu vois, mais il n'est pas converti, il n'est pas une culture acceptée. Si ça arrive, si ça commence à venir sur ton territoire, laisse-le venir dans ton territoire, dans les montagnes. Ouais, t'as raison. Laisse venir dans les montagnes, tu laisses. T'as des sièges, des forts dans les montagnes? Bah ouais, t'as un fort à Ro. Mais en AFK, je me touche la bite, tu laisses prendre le siège, attaquer à Ro, commence à faire le siège, et bam, tu y tombes dessus. Tu te retrouves toi en position de défenseur, c'est lui qui aura les malus du combat en montagne. Pas con, ouais. Que j'ai fait avec ma partie avec les comment ils s'appellent avec les zut les autres Ouais, ce qui fait chier, c'est que putain, y a tous ces potes là qui sont en aig. aïe. Ouais, c'est ben en situation de guerre là. Oh putain, oh trop fort, bon ben, je pars en guerre. Contre qui? Plein de monde. La Hongrie, la Moldavie, le Brandenburg, la Suède. T'es pas un peu malade, toi? Allez. Non, mais c'est un appel de comment il s'appelle? Oh, trop fort. Un appel à la guerre par un de mes par la Pologne. D'accord. Non, non. J'ai plein. Et ça, je vais pas mal l'aider. Alors, et donc il a légèrement prêté des troupes. Tant qu'après des troupes, putain, fait chier. C'est chiant ces guerres de merde là où on peut rien faire. Ouais, Là. mais la Pologne va là-bas, on va aller s'occuper de prendre les territoires de l'autre là-bas. Les tribus timourides qui pop, putain, les mecs, vous avez que ça à Là, on foutre. va prendre Tidja. Là, nous sommes les tribus timourides, nous allons popper, pourquoi? Pour te faire chier. Ah. Comme si cette Janvier. armée, le temps qu'elle traverse le territoire. Cet enculé d'Ottoman qui a prêté 21 000 hommes au. Qui a loué 21 000 hommes au. Comment ça s'appelle? Notamment, Non, mais putain, pourquoi ils me font ça? Au. L'Ottoman qui a prêté des hommes à la Hongrie, quoi. putain, foiré. À Vita Tamonique. Donc là, je vais essayer d'envoyer mon armée là-bas pour taper sur ces enculés qui sont là-bas. Eh hey merde, putain! Oh, fais chier!
J'attaque la troupe. Qu'est-ce qui se passe au moment où je lance mon attaque? Staquoid de 28 000 âmes! Je t'explique! Je t'explique! Je t'explique! Je t'explique! Ils attaquent le territoire. Ils font le siège du territoire. 42%. Moi, j'arrive, il reste un jour, enfin 2 jours d'arrivée, le tic dans un jour, je veux dire. Ouais. Au moment où je vais arriver, où je suis loqué, ils prennent le siège. Mon armée arrive, donc je me retrouve plus avec le bonus défensif. J'ai mes 28 000 hommes et je me fais staquiper. Yaros l'avait pas, ça dépassait les 50% de liberté, disait Aerys, c'est allié. Non, le monde entier, il est méchant. Ah ouais. Alors là, le style, je sais pas ce qu'il fait, il va jusqu'à Nougaï, je comprends pas l'intérêt. Yaroslav à 90%, alors je t'explique. Yaroslav, 90% de Liberty Desire. Ok? Ouais. Intégration de Yaroslav, 99,2%. Quand c'est... Mes 3 vassaux sont à 100% de Liberty Desire. Ah oui, c'est... Ça pue. C'est vrai que c'est C'est la écœurant. merde! C'est. Putain, mais. Tout ça d'un quoi, d'un assaut de merde que j'ai mal géré. Construire mon armée. T'as dit quoi, toi, ta C'est guerre? la merde. Bon, ça Bon, va. c'est la merde. Bon, j'occupe l'objectif de guerre, là, heureusement. Putain, 100%, 100%, 100%. Les 3 vassaux se sont alliés entre Oh, eux. les connards. Donc, ça fait qu'indirectement, ils se boostent mutuellement, quoi. La série, les fils de pute. Ah, Gueule de Nord. La série ne supporte plus le Pskov. C'est mon 1er janvier. Par contre, là, le Delhi, il est retombé parce que j'occupe quasiment toutes ces provinces, donc du coup, il fait un peu la gueule, là, le Delhi. Normal, ça. Ah, c'est bon, la Suède est en train de se faire No longer sink. le siège chez moi, mais l'autre. T'as quitté ou t'as pas Non, j'ai pas quitté, je quitté? suis toujours dans le jeu. Je vais te faire un petit coup de pute là, pour cette virée Gwalior. Ce que je vais faire, je vais aller sur ces provinces et je vais le menacer. Oh. Voilà, ça c'est une bonne chose. La Suède. Oh, comme ça, je vais pouvoir déclarer la guerre après si je survis à Novgorod. Là aussi, je survis. Comme la Suède a une trousse avec moi. Un truc qui est pratique à savoir, c'est que lorsque les petits pays ont pas beaucoup de provinces et qu'on occupe toute leur province, ça leur fait baisser leur score de guerre. J'ai à Gwalior, là, je suis juste à moins 12 avec lui. Non, j'ai pas perdu mes troupes sur son putain de siège. Voilà. Le Sind, je me Il y a la ferai sa gueule Suède qui est en après. train de se faire. Ouais, non, on va pas aller là-bas, on va les laisser faire leur truc. Mes vassaux, quels sont. Par contre, ça fait. Ah non, pas encore, ça n'a pas encore fait timide. Bon, ça va, Yaroslav est en train de rebaisser en Liberty Dealer. Donc, il y a 95%. Yaroslav, est-ce que je peux.
Oh, est-ce que les séparatistes de Khorasan pourraient bien se rebeller pour foutre sur la gueule de mes ennemis? Bon, et ça fait le tingling de fin d'épisode. Donc voilà. Note que l'IA fait jamais ce que tu veux qu'elle fasse. Oui, je sais, je sais. Check. On a dit que c'était pas possible. Ok, bon, on va arrêter l'épisode là, les gens. La fin de l'épisode, hein. Et on vous dit donc bye bye et donc à demain pour la suite de la série. Et ciao tout le monde! Salut tout le monde!